J'ai perdu tout ce que j'avais. Ma vie d'avant. J'ai perdu ma famille. J'ai perdu aussi le monde sous mes yeux. Mais il y a bien une seule chose que j'ai pas perdue. Ma vengeance. J'ai déjà perdu la première fois. Mais cette fois-ci, il n'y aura pas d'échec. Mais je savais que les choses n'allaient pas être simples. Que mon voyage dans le temps allait poser problème. Que les choses allaient être différentes. J'étais livré à moi-même pour m'en sortir. Je multipliais les soucis. Je multipliais les ennemis. Mais je devais pas diviser la famille. J'avais besoin de mes frères pour affronter l'impossible. J'étais affaibli, seul et en colère. Il n'était plus question de sauver le monde à présent. Je devais sauver le temps. Tu es plutôt coriace. Tu n'as même pas idée. J'ai vécu quelque chose qu'un homme normal ne peut pas subir. Revoir certains visages, savoir que Rojo nous trahit et que Dreci meurt. Le voyage dans le temps est une chose terrifiante. On devait unir nos forces, renforcer la fraternité comme jamais, car aujourd'hui, c'est le combat de notre vie. Je savais que les choses allaient changer, mais je pensais pas qu'elles changeraient autant. On s'approchait tous de la fin, jusqu'à ce que les ténèbres arrivent. Chacun choisit son camp. Je savais ce qu'il me restait à faire. Mettre fin à ce Noël de folie. Noël de folie 3. Le 6 octobre, sur vos écrans.